1988, 26 ans après son accès à l'indépendance, l'Algérie se trouve à nouveau à la croisée de son destin. Le temps des pionniers de l'État socialiste, incarné par la main de fer de Boumédienne, est révolu. Le nouveau président, Chadli Ben Jedid, imposé par l'armée, doit faire face à une contestation sociale de plus en plus violente. Sur fond de crise économique, l'unité du pays se fissure. Islamistes, berbères, démocrates s'opposent au FLN, le parti unique. En octobre 88, 5 jours de violentes émeutes embrasent le pays. Le bilan s'élève à 500 morts. L'armée a tiré sur le peuple. Plus de 20 ans avant ce qu'on appelle le printemps arabe, l'Algérie est ébranlée par une révolte populaire. Le président Chadli promet des changements. Pour la première fois depuis 1962, c'est le pouvoir qui est à l'épreuve de l'Algérie. Nous avons arraché des espaces de liberté qui n'existaient même pas en Europe. On a créé des partis à tout, hein, à gogo, si je puis dire. Et on a dit aux Algériens, vous avez le choix maintenant entre le FLN et les islamistes. Nous avons négligé cette jeunesse. Il y a une rupture profonde entre le pouvoir politique et la société. Et nous nous sommes réveillés un matin pour la trouver ailleurs.